Dans quelques minutes, on va faire les baptêmes, on va les baptiser. Tout le monde pourra voir, ça va être projeté en grand ici sur l'écran. Donc voilà. Mais avant cela, je voudrais dire, après avoir entendu ce qu'on a entendu, ces témoignages, après avoir vécu même ce temps de louange que nous avons vécu tout à l'heure, je dirais, il ne faut pas seulement que nous restions spectateurs à cela. Et je suis sûr qu'il y a au milieu de nous plusieurs personnes qui ont besoin de faire la même expérience que Clint a fait, que Yolaine a fait, que chacun, ils ont fait, parce que peut-être tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, et c'est une chose essentielle, c'est quelque chose que tu... il ne faut pas rater pendant son passage sur terre. Et je dirais même, c'est une chose que, quand c'est le moment, et je crois aujourd'hui est un temps favorable, il ne faut pas laisser passer l'occasion. Je voudrais te dire ce matin, de la part de Dieu, ta vie peut changer. Ta vie peut changer. On a entendu des cas de personnes qui étaient là tenues par la maladie, tenues par le péché, tenues par la peur. Ils nous ont témoigné de cela tout simplement. Ils ont partagé leur vie vraiment fraternellement. Mais il s'est passé une chose, c'est que leur vie a changé. Et si aujourd'hui ils se font baptiser, c'est justement pour ça, ce n'est pas aujourd'hui que leur vie change. Non, aujourd'hui c'est un jour d'engagement public. Publiquement, ils nous disent, voilà, j'ai accepté Jésus et je m'engage. Mais il y a un moment où ils l'ont fait, on vient d'entendre, c'était au mois de mars, c'était il y a 6 mois, c'était il y a 1 an, c'était il y a 1 an et demi, peu importe. Hein, mais ils ont fait cette expérience vraiment de recevoir Jésus. Et je voudrais te dire, aujourd'hui, ne reste pas où tu en es. Ne reste pas. Saisis l'occasion que tu es dans ce lieu, vraiment. Ne laisse pas, ne pense pas que pour toi, ce n'est pas pareil. Et c'est souvent ce que l'ennemi nous souffle à l'oreille, nous dit, oui, pour eux ça marche, mais pour toi, c'est différent. Moi, quand on m'a annoncé l'évangile, c'est immédiatement le raisonnement que j'ai dit. Je dis, bon, c'est bien pour eux, tant mieux, mais pour moi, c'est autre chose. Bien non, ce n'était pas autre chose. Et je voudrais te dire, la situation dans laquelle tu es peut changer. Parce que des fois, on est dans de telles situations, on est pris dans de tels engrenages de la vie qu'on se dit, eh bien, non, pour moi, pour eux, ça va, mais pour moi, ce n'est pas possible. Je voudrais te dire, ta vie peut changer et elle peut changer maintenant, ce matin. Alléluia. Avant même qu'on baptise nos frères et sœurs, je voudrais te dire, ta vie peut changer. Amen. Amen. Alors, j'aimerais qu'on lise dans l'évangile de Marc au chapitre 10, l'histoire d'un homme dont sa vie a changé, c'est à partir du verset 46. Peut-être beaucoup nous connaissons cette histoire, c'est une histoire bien connue du ministère de Jésus, mais j'aimerais en quelques mots et en quelques minutes, au travers de l'exemple de cet homme, essayer de vous amener au moment où vous pourrez aussi faire cette expérience de changer de vie. Alors Marc 10, verset 46 donc, il nous est dit que Jésus et ses disciples arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, qui s'appelait Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Bartimée entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Et ils appelèrent l'aveugle en disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, il courut vers Jésus. Et Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, c'est-à-dire maître, « Maître, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. On va applaudir la parole de Dieu. C'est un message extraordinaire.
On lit ce récit comme ça a l'air tout simple. Hein. La vie de cet homme, il est guéri, il est changé, il est transformé. Il est un autre homme, il ne nous est plus rien dit de lui dans la parole de Dieu. Mais on sait qu'à partir de ce moment-là, il a suivi Jésus, il a marché avec Jésus. Et bien sûr, avant cela même, il a retrouvé la vue qu'il avait perdue. Mais si on lit cette histoire tout simplement comme ça maintenant, je voudrais vous dire, ça peut être ton histoire. Ça a été l'histoire des bien-aimés qui vont se faire baptiser. Ça a été l'histoire de plusieurs personnes et de nombreuses personnes ici dans ce lieu. Ça a été et c'est aussi mon histoire. Et je voudrais qu'elle devienne aussi la tienne au travers de ce texte. Vous voyez, Bartimée, c'était un homme vraiment, humainement parlant, il n'y avait pas de solution pour lui. Parce que c'était un mendiant. C'était un infirme, il était aveugle. Et enfin, je pense aussi que Bartimée, ce n'est pas dit directement dans la parole de Dieu, mais je pense que c'était un sans-abri. C'est-à-dire quelqu'un qui n'avait même pas un endroit pour aller s'abriter le soir. Il vivait dans la rue, malheureusement, comme il y en a beaucoup aujourd'hui aussi qui vivent dans la rue. Voyez la situation de cet homme. C'était quelque chose de dramatique. Hein, mendiant, c'est-à-dire il dépend des autres. Aujourd'hui, il attend pour manger. Il attend que quelqu'un lui donne, ne serait-ce qu'une petite chose, un bout de pain, une poignée de riz, je ne sais pas. Mais peu importe, il dépend totalement des autres. Il ne peut rien par lui-même arriver à faire. Hein, mais il est réduit à cela, à dépendre des autres. Peut-être c'est ta situation. Peut-être tu sens que tu dépends tout le temps des autres et tu te dis mais ça ne va jamais changer, ça ne te satisfait pas et je comprends que ça ne te satisfait pas. Ensuite, Bartimée, il nous a dit, il était dans cette misère matérielle, il était aussi dans une misère sociale, c'est-à-dire il n'avait pas de place dans la société. Quand tu es quelqu'un qui est sans logis, qui est dans la rue, qui est infirme, qui mendie, tu n'as pas de place dans cette société. Et peut-être quelqu'un est-il dans cette situation à se dire, mais moi, qu'est-ce que je suis dans ce monde? Qu'est-ce que je suis dans cette société? Je suis rien, on m'ignore. Et peut-être que, humainement parlant, c'est vrai. Mais je voudrais te dire, il y a quelqu'un qui s'intéresse à toi. Qui que tu sois, il y a quelqu'un qui s'est intéressé à Bartimée. Personne peut-être ne s'intéressait à lui, mais quelqu'un s'est intéressé à lui. En plus, Bartimée, il avait une infirmité, il était aveugle. Vous savez, quand on souffre dans son corps, c'est quelque chose de difficile. Ce n'est pas quelque chose de facile. Et peut-être tu as une infirmité dans ta vie, peut-être tu as une maladie dans ta vie dont tu n'arrives pas à guérir. Peut-être que tu traînes cela depuis longtemps. Et peut-être on t'a dit que toute ta vie, tu serais avec cette maladie. Et peut-être même que ça allait s'empirer, peut-être même que ça allait s'aggraver. Mais je voudrais te dire ce matin de la part du Seigneur, même si humainement parlant, tu ne vois pas de solution, je voudrais te dire, regarde à Jésus aujourd'hui. Regarde à Jésus, parce qu'avec lui, il y a une solution. Alléluia. Vous savez, le Seigneur, c'est lui qui nous a créés. Et s'il veut réparer notre corps, il peut le faire comme ça. En une seconde, il dit et la chose arrive. Donc je voudrais te dire, si ce qui te met à l'écart, ce qui bloque ta vie, ce qui t'empêche d'avancer, si c'est une maladie qui agit dans ton corps, une infirmité même que tu traînes peut-être depuis longtemps, je voudrais te dire, reprends espoir ce matin. Reprends espoir ce matin. Alléluia. Ne dis pas, je vais sortir comme je suis rentré. Mais il y a quelque chose qui peut se passer ici, dans ce lieu, ce matin même. Alléluia. Et Bartimée, voyez-vous, je l'ai dit, il n'avait même pas une maison. La seule chose dont il nous est parlé, qui lui servait à s'abriter, qui lui servait à le protéger, c'était un manteau. Ce n'était pas un manteau de luxe. Hein. Ce n'était pas un manteau de la collection 2016. Hein. Mais c'était sans doute un vieux manteau que quelqu'un ne voulait plus. Et puis, pour tranquilliser sa conscience, au lieu de le jeter à la poubelle, il s'est dit, je vais le donner à un de ces malheureux qui est là au bord du chemin. Et il a pris cela, et pour lui, ce manteau, c'était sa protection, c'était sa maison, c'était son abri. Peut-être
peut-être lorsqu'il pleuvait, lorsqu'il faisait froid, ou lorsque le soleil tapait trop fort, ou peut-être lorsque des gens venaient l'agresser, peut-être lui donner des coups, son manteau arrivait à le protéger un petit peu. Donc il n'avait pas grand-chose. Peut-être tu n'es pas sans abri, peut-être tu as une maison, mais peut-être tu n'as même pas un chez-toi, tu es chez quelqu'un. Et tu aspires à avoir un chez-toi, tu aspires à ne plus dépendre des autres, tu aspires à trouver vraiment une liberté, à vraiment trouver un sens à ta vie. Je voudrais te dire ce matin, Jésus est là pour ça. Alléluia. Jésus s'intéresse à toi, quelle que soit ta situation. Il veut faire quelque chose pour toi. Bartimée, c'est peut-être toi. C'était moi. Il y a quelques années, mais il a changé ma vie. Bartimée, c'était peut-être nos bien-aimés qui vont se faire baptiser, mais Jésus les a croisés. Et c'est ça que je voudrais vous dire maintenant d'important, c'est que quelle que soit notre situation, ce n'est pas notre situation qui va déterminer notre avenir. Je vais vous dire, ce qui détermine notre avenir, c'est qu'il y a un moment où Dieu nous donne l'occasion de changer. Il y a eu un moment... Il y a eu un temps où Jésus est passé près de Bartimée. Peut-être pas tout près, parce qu'il nous a dit qu'il a été obligé de crier pour que Jésus l'entende. Donc ça prouve qu'il n'était pas à un mètre de Jésus. Il y avait sans doute beaucoup de personnes entre lui et Jésus. Mais Jésus quand même est passé près de lui. Vous savez, Dieu connaît nos situations. Arrête peut-être de dire des « pourquoi je suis comme ça ?»« Pourquoi ça m'arrive ?»« Pourquoi les autres ont été méchants envers moi ?»« Pourquoi est-ce qu'on m'a délaissé ?»« Pourquoi j'ai vécu ceci ou cela ?» Je voudrais te dire, laisse ça de côté. Parce que ça ne va rien amener de bon dans ta vie. Ça va te décourager, ça va peut-être te désespérer et ça va peut-être t'enfoncer. Mais il y a une chose, c'est qu'un jour, Jésus passe près de toi. Alléluia. Et je voudrais te dire, tu es là ce matin, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est peut-être un moment où ta situation est peut-être la pire, mais ce n'est pas un hasard. Jésus est en train de passer près de toi comme un jour il a passé pas loin de Bartimée. Amen. Amen. Écoutez, Jésus était dans la ville de Jéricho. Il était au cœur de la ville de Jéricho. Peut-être il était dans la synagogue de Jéricho, dans le lieu religieux de Jéricho. Il a parlé, il a peut-être fait des miracles là, il a enseigné, des gens ont donné leur vie. Mais il y avait tous ces gens qui étaient en périphérie, qui étaient autour de la ville de Jéricho, là sur les portes d'entrée. On ne voulait pas d'eux, on ne voulait pas d'eux peut-être dans les beaux endroits religieux, on ne voulait pas d'eux peut-être dans les endroits administratifs de la ville. Mais où que tu sois, même si tu te sens à l'écart, je voudrais te dire, Jésus passe quand même auprès de toi. Alléluia. Ne regarde pas à ce que tu es. Vous savez, les hommes regardent à ce que nous sommes. Et suivant ce que nous sommes, ils vont s'intéresser à nous, ils ne s'intéressent pas à nous. Ah, toi, tu es... Bon, hop, de côté. Toi, tu n'as pas fait telles études, donc de côté. Ce n'est pas mon niveau. Toi, tu viens de tel pays, bon, de côté. Ce n'est pas ce que j'aime. Mais vous savez... Jésus passe auprès de chacun de nous. Il est passé auprès d'un Bartimée. Alléluia. Il est passé auprès de ce mendiant. Il est passé auprès de cet infirme. Il est passé auprès de ce clochard. Il est passé auprès de lui. Et si j'insiste là-dessus, c'est pour te dire, qui que tu sois, Jésus connaît ta situation, il s'intéresse à ta situation. Et il veut donner une réponse à ta situation. Alléluia. Seulement, ne le laisse pas passer. Ne le laisse pas passer. Il nous est dit, Bartimée a fait une chose qui paraissait peut-être invraisemblable, qui n'allait pas avec tout ce que faisaient les autres. Il nous est dit, il a crié. Il a crié, aie pitié de moi. Il n'est pas venu vers Jésus en disant, « Oui, je suis Bartimée, j'ai fait ceci, j'ai fait cela de bien. » Non, il a dit à Jésus, « Aie pitié de moi. » Vous savez, ce ne sont pas nos mérites, ce ne sont pas ce qu'on a pu faire qui vont faire que Jésus va s'intéresser à nous. Mais simplement, Jésus s'intéresse à nous quand on se présente devant lui tel qu'on est. Amen.
Vous savez, on cherche souvent à avoir des apparences. Si, je ne sais pas, tu vas te présenter à un endroit pour un travail ou quoi, tu essaies d'embellir ton CV. C'est normal, hein? Si tu as eu un assez bien à l'examen, tu vas oublier, tu vas effacer le assez, tu vas laisser le bien uniquement, hein? Et parce que tu veux que, voilà, on ait une, tu aies une belle apparence et qu'on ait une belle image de toi. Mais je vais vous dire, quand tu t'approches vers Jésus, ne te fatigue pas de ton apparence. Va vers lui comme tu es. Et je voudrais te dire, non seulement va vers lui comme tu es, mais c'est ça qu'il aime. Quand on est vrai, quand on est sincère. Bartimée, il n'avait rien. Il avait besoin de la pitié de Jésus. Et il a crié ça. Pitié, Seigneur! Pitié! Alléluia! Alléluia! Vous savez que la parole de Dieu dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Je voudrais te dire qui que tu sois ce matin. Si tu cries vers lui, il t'entend. Il t'entend. Mais vous savez, ne te laisse pas non plus arrêter, parce que vous avez vu que Bartimée, quand il a commencé à crier vers Jésus, ben c'est vrai que ça dérangeait peut-être. Ça dérangeait peut-être, ils étaient en train de chanter des beaux cantiques autour de Jésus. Hein. Le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Puis l'autre là derrière, hé, pitié de moi! Ça collait pas quoi. C'était pas dans la bonne note. Mais peu importe, bon, c'est bien de chanter des cantiques, hein, je ne veux pas vous décourager, moi j'aime bien chanter, louer comme on l'a fait tout à l'heure, c'est quelque chose de formidable, mais vous savez, il faut crier, et quand on crie, c'est vrai, quelque part des fois ça dérange, et peut-être même tu entends cela, tu entends ces paroles et tu dis mais ces paroles sont pour moi, mais en même temps il y a des choses qui t'arrêtent, peut-être tes pensées t'arrêtent, tu dis oui mais c'est bien ce qu'il dit là, c'est bien ce que ces gens ont vécu, mais... Voilà, moi je vois les choses différemment. Peut-être c'est ta religion qui t'arrête. Laissez-moi vous dire, vous savez que les religions souvent nous empêchent de nous approcher de Jésus. Je ne dis pas que toutes que les religions sont mauvaises, non. Mais les religions, c'est quelque chose que les hommes ont fabriqué. C'est quelque chose que les hommes ont fabriqué pour chercher à s'approcher de Dieu. Et peut-être tu es là et tu te dis, oui mais c'est bien ce qu'on dit ici, mais ce n'est pas ma religion. Écoute-moi bien. On ne te parle pas de religion ce matin. On te parle d'une personne qui t'aime, Jésus. D'une personne qui veut changer ta vie, Jésus. Garde ta religion si tu veux. Jésus te montrera ce que tu dois faire avec ta religion. Il te guidera là-dessus. Mais je voudrais te dire, ne te laisse pas arrêter par ta religion. Il y a tellement de gens qui sont bloqués par leur religion. Un jour, j'étais sur le stand et... je parlais de Jésus à des personnes qui passaient. Il y a là quelqu'un de très important qui est passé. C'était une autorité de la ville qui est passée. Elle a entendu ce que je disais. Puis elle m'a dit, moi de toute façon, je ne changerai jamais de religion. J'ai dit, monsieur, c'est votre choix. Mais en tout cas, moi je ne vous demande pas de changer de religion. Je vous demande simplement de vous approcher de Jésus et de faire une expérience véritable avec Jésus. Avez-vous fait cette expérience ? Il m'a répondu, j'ai ma religion. Mais vous savez, les religions nous conduisent où ? Vous voyez, les religieux de l'époque de Jésus, c'est eux qui ont fait crucifier Jésus. C'est eux. Pilate, même le païen Pilate, disait, mais je ne vois rien de coupable en cet homme, qu'est-ce que vous lui reprochez ? Ce qu'il lui reprochait, c'est qu'il venait déranger leur religion, déranger leur habitude religieuse. Je voudrais te dire ce matin simplement, ne te laisse pas arrêter par ta religion. Laisse-la ta religion. On n'est pas là pour la critiquer, on n'est pas là pour la casser. Peu importe, Dieu te montrera ce que tu dois faire avec. Mais ne t'arrête pas avec ta religion. Ne t'arrête pas aussi à cause des autres. Parce qu'il y a toujours des gens qui ne seront pas d'accord. Il y a toujours des gens qui te diront, tu vas au CRC ? Oh là là ! Ouf ! Hein ? Il y a quelques années comme ça, je travaillais dans une banque et le directeur de mon agence, un lundi matin, il m'a appelé et il m'a dit, « Ouh là là, si vous saviez dans telle église ce que le prêtre a dit de vous !» Parce que lui, il allait dans l'église à côté de chez nous, là où on était à Villemomble, hein, il y avait une grande église à côté. Donc lui, il allait là le dimanche. Hein, et il m'a dit, le prêtre, il nous a dit, « N'allez surtout pas là-bas !» Ils vont vous inculquer des choses qui ne sont pas vraies.
Et cet homme qui était le directeur de mon agence, qui était mon supérieur au travail, il m'a dit, mais est-ce que c'est vrai ça? J'ai dit, qu'est-ce que vous pensez de moi? Je travaille à vos côtés. Est-ce que je suis si terrible que ça? Non, vous savez, les gens ont peur et des fois, parce qu'ils ne veulent pas changer eux-mêmes, ils ne veulent pas que les autres changent non plus. Alors je voudrais te dire, ne te laisse pas, respecte les autres, aime-les, fais-leur du bien, même ta famille, tout à l'heure, on nous a parlé de cela. C'est vrai qu'on aimerait que nos familles suivent, soient là avec nous, mais il ne faut pas que ça t'arrête, parce que si ça t'arrête, tu ne pourras pas les mettre aussi au bénéfice de ce que toi tu vas vivre avec Jésus. Mais si tu vis quelque chose avec Jésus, alors vraiment, il y a un moment où eux-mêmes vont être interpellés. Et ils vont dire, mais finalement, c'est peut-être pas une secte ça, hein, parce que les gens des fois ils disent, on est une secte. Qu'est-ce que c'est une secte, hein? Même les premiers chrétiens, on disait, c'était la secte de Jésus. Mais tant pis si on est la secte de Jésus, hein? Mais en tout cas, dans la secte de Jésus, les gens évoluent. Dans la secte de Jésus, les gens sont transformés. Dans la secte de Jésus, les gens sont épanouis. Dans la secte de Jésus, les gens prospèrent. Alléluia. Et Bartimée ne s'est pas laissé arrêter. Je voudrais te dire ce matin, ton cri qui monte vers Dieu, eh bien, arrêtera Jésus. Jésus va s'intéresser à toi. Et il y a un moment même où il se passe une chose, c'est que Jésus va t'appeler. Jésus va t'appeler, oui, tu entends bien. Jésus, le grand Jésus, le Fils de Dieu, celui qui était là à la création, celui qui a tout fait, eh bien, il prend le temps de t'interpeller et de t'appeler par ton nom. Il a appelé Bartimée. Il a dit, dites-lui qu'il vienne vers moi. Alléluia. Ce matin, Jésus t'appelle, mon ami. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, je voudrais dire, c'est ton jour aujourd'hui, le 16 octobre 2016. Quel que soit ton âge, tu peux avoir 10 ans, tu peux avoir 12 ans, comme tu peux avoir 80 ans, comme tu peux avoir 35 ans, peu importe, je dirais, il y a le moment où Jésus t'appelle parce qu'il a entendu ton cri dans le fond de ton cœur. Il a entendu qu'au fond de toi-même, tu disais, ça ne peut plus continuer comme ça, ça ne peut plus aller comme ça, il faut que ça change. Alors il te dit, viens, approche-toi de moi, alléluia, que vas-tu faire? Parce que c'est ça, vous savez que, c'est nous qu'on détient la bénédiction entre nos mains. Bartimée avait la bénédiction entre ses mains. S'il se levait et s'il courait vers Jésus, il saisissait la bénédiction de Jésus. Mais si maintenant il restait là où il était, il disait, oui, mais ça va m'avancer à quoi? Ça va m'avancer à quoi? Il va me dire peut-être des belles paroles. Moi je suis là, j'ai ma place au bord du chemin pour mendier toute la journée, je reste là. Finalement, bon, ce n'est pas une bonne situation, mais peut-être ça pourrait être pire encore si je la laisse. Voyez, Bartimée a fait une chose. Il a répondu à l'appel de Jésus. Alléluia. Je dirais bien plus même. Il nous est dit qu'il a jeté son manteau. Moi, j'aime cette image. Parce que ce manteau, je vous ai dit tout à l'heure, c'était plus qu'un simple manteau. C'était vraiment son abri, c'était sa protection. C'était sa chaleur, c'était sa protection contre toutes sortes d'intempéries. Ça représentait tellement ce manteau. C'était peut-être la seule chose qui avait un peu de valeur, qui était vraiment à lui, même s'il était usé, même s'il était taché, même s'il était sale. Mais ce manteau lui était précieux. Mais en même temps, je vous dis, ce manteau, c'était le manteau du mendiant. C'était le manteau de l'infirme. C'était le manteau de celui qui était dans une vie d'échec. Alors Bartimée, au moment où il répond à l'appel de Jésus, il jette ce manteau. Il dit, je ne veux plus de cette vie. Je ne veux plus d'être un infirme. Je ne veux plus être un mendiant. Je ne veux plus là, être au bord du chemin dans cette vie d'échec. Mais je veux maintenant commencer une nouvelle vie avec Jésus. Alléluia. Et c'est ça que Jésus t'offre. C'est ça que Jésus t'offre. Il t'offre une nouvelle vie. Nos bien-aimés, certains ont témoigné, avant ils vivaient comme ça. Et puis, maintenant, ils vivent différemment.
C'est pas une vie où on est privé. Il y en a certains qui s'imaginent, ah oui, mais la vie de chrétien, alors on peut plus faire ceci, on peut plus faire cela, on peut plus. Je vais te dire, si tu marches avec Jésus, tu vas connaître le vrai bonheur. Alléluia. Tu vas connaître le vrai bonheur. Vous savez, c'est vrai que le monde veut nous attirer dans toutes sortes de péchés, dans toutes sortes même de perversions, en nous disant que c'est bien. C'est de notre époque. Maintenant, l'homme et la femme sont libérés à notre époque. Hein. Enfin, l'homme et la femme, maintenant, sont devenus des gens bien. Vous trouvez qu'on est des gens bien à notre époque ? On tue des gens dans les rues. On massacre des enfants comme ça dans les rues, simplement parce qu'ils sont au mauvais endroit, au mauvais moment. Et tellement de choses atroces se passent autour de nous. Vous trouvez que l'homme est arrivé ? Je dirais, celui qui a raison, vous savez, ce n'est pas l'être humain, mais c'est le Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que si tu donnes ta vie à Jésus, si tu vas vers Jésus, que tu réponds à son appel, eh bien, tout simplement, une vie nouvelle va commencer pour toi. Une vie qui vaut la peine d'être vécue. Alléluia. Maintenant, je voudrais te dire simplement, c'est toi qui as la clé de cela. C'est toi qui détiens la réponse. Jésus ne te forcera pas. Il ne viendra pas dans ta vie de force en te disant, oui, allez, je force la porte. Non. Il nous est dit dans la Bible que Jésus, il se tient à la porte. Et qu'est-ce qu'il fait à la porte de notre vie ? Il frappe. Il est poli, Jésus. Il entre pas. Les démons ne sont pas polis. Vous avez vu, les démons, ils entrent dans la vie des hommes et des femmes pour les posséder. Ça veut dire qu'ils ne leur demandent pas notre avis. Vous n'avez pas un démon qui demande « Oh, est-ce que je peux venir amener telle maladie dans ta vie ? Est-ce que je peux venir amener l'échec dans ta vie ?» Non, ils viennent et ils le font. Mais Jésus, il est à la porte de notre vie et il frappe. Et je voudrais te dire ce matin, il est en train de frapper à la porte de ta vie. Est-ce que tu veux lui ouvrir ? Est-ce que tu veux l'ouvrir ? C'est une décision à prendre. J'aimerais que simplement on puisse fermer les yeux, qu'on puisse avoir un moment de recueillement devant le Seigneur, vraiment. Alléluia.